Yosh, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer le jeu de, le collector de Burning Blood sur PS4. Je sais, j'ai pas la console, mais là c'était obligé de faire une vidéo parce que c'est trop mortel. Alors déjà, voici le, la. Là, je vais vous montrer d'abord la boîte, le sigle, le logo pardon de Barbe Blanche. Là, nous avons Barbe Blanche. Oula, là, Marineford. Et là, Ace. Le couvercle. Bon, le dessous, il est basique. Un peu désolé si vous voyez un peu de soleil, puisque je tourne la vidéo de dehors sur la terrasse. Alors là, nous avons Sangoku et Barbe Blanche, avec Marineford juste derrière. Là, nous avons Ace, Marco et Jaws. Là, ben, ce qu'il y a là. Là, nous avons les trois amiraux, Aikanu, Aokiji et Kizaru. Et alors, l'intérieur, un truc mortel. Comment c'est hyper bien fait. Regardez-moi ça, ce travail. Ah. En plus, c'est un peu c'est lisse à certains endroits. C'est trop mortel. Alors, il y a ça. Attention, nous avons du lourd. Là, Barbe Blanche, elle est très grande, très bien détaillée, surtout les cicatrices là, sa petite tête. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, là il y a le logo, enfin l'emblème de son équipage. Et quand on enlève la veste, elle est là aussi, très bien faite, comme vous pouvez le voir. Puis nous avons aussi. Attention, je tourne la caméra. La tombe de Barbe Blanche avec le drapeau brûlé, la couronne de fleurs. Le seul petit bémol que je trouve, c'est que. Attention, je retourne. C'est qu'il y ait, que ce soit écrit en anglais. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est écrit en anglais. J'aurais pu faire l'effort de le traduire en français. Puis aussi, nous avons. Attention! Je pose 2 secondes. La boîte où on peut mettre le jeu si on veut, avec sabot d'un côté, Luffy de l'autre. Perso, moi j'aurais plus aimé s'il y avait Ace au milieu avec les flammes, ça aurait trop bien fait, mais bon. Puis l'intérieur, il est basique comparé à Pirate Warriors 3 qui avait l'intérieur aussi, qui avait des personnages dedans. Puis nous avons le jeu, la jaquette, puis à l'intérieur nous avons, attention, nous avons droit un poster qui est la jaquette du jeu, plutôt pas mal et stylé. Je pense que ça va aller dans ma bibliothèque directement avec ça, l'arrière, où je trouve de la place. Puis en dernier, nous avons l'artbook du jeu. Je vais faire une vidéo avec, je pense, avec l'intérieur, ce qui contient. Regardez ça. Encore en anglais, c'est bien dommage. L'intérieur, là, s'en reflète un peu. C'est trop stylé. Perso, je suis pas déçu de l'avoir pris, même si j'ai pas encore la console. Pareil, là, avec tous les logos. Enfin, avec plein de logos d'équipage. Et là, nous avons ça derrière. Bon, vite fait, juste pour feuilleter, pour vous montrer. Là, il y a Baggy. Là, c'est Drum.
Robin, Bonne Clé, Moria, Perona, Eustace Kid, X-Rec. Perso, et c'est trop mortel. J'ai bien fait de me le prendre, donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur l'artbook. Voilà, merci.